Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de réaliser une petite carte pour une femme. J'ai décidé d'utiliser ce bloc de papier, donc c'est le Creative Paper Collection. Dedans, on a des papiers, de quoi faire des cartes, il y a des stickers, etc. Pour ma carte, je vais utiliser les hexagones, pardon, c'est dur à dire. Et j'ai utilisé également un morceau de ce papier, avec des petits points ou des petits cœurs, je sais pas trop. Je vais utiliser tous ces petits morceaux là. Et j'ai également découpé des tout petits morceaux pour pouvoir faire les coins. Je vais également utiliser un sentiment. Donc ici ce sera joyeux anniversaire. Je vous mettrai la référence du tampon ici quelque part dans la vidéo. Et on va avoir besoin du coup d'une base de cartes. Donc moi ici j'ai une base de cartes qui fait 14,5 par 10,5. Et un fond, donc c'est le papier que je vous disais, que je suis venue coller sur un papier un peu plus costaud, puisqu'il est très fin. Et ici, ça fait 14 cm par 10 cm. Donc je vais utiliser de la colle et un morceau de double face mousse pour le sentiment. Donc, je vais venir mettre ma base de côté et on va travailler sur le fond de carte. Donc je vais tout simplement prendre mes petits hexagones, je vais venir mettre de la colle, tout simplement le coller. Donc moi j'ai décidé de laisser un petit bord au niveau de mon papier et je vais venir comme ça coller tous les petits hexagones. Voici ce que ça donne dans un premier temps. Donc maintenant, je vais récupérer mes morceaux que j'avais prédécoupés. Et du coup, avec ces petites chutes, je vais venir combler les trous. Voici ce que ça donne. Je vais laisser sécher. Une fois que c'est sec, on va venir découper ce qui dépasse. Voici ce que ça donne. Maintenant, je vais mettre mon fond de carte sur ma base de carte. Donc voici ce que ça donne. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre notre sentiment avec de la mousse double face. Je vais venir rajouter un peu de colle pour que ça tienne un peu mieux. En plus, c'est du papier glacé ici, donc ça aidera. Et je vais venir le placer au milieu. Et pour finir, je vais venir mettre des petites traces.
Voilà, mes petits strass. Et pour compléter, je vais venir mettre un petit peu de stylo à paillettes sur le petit cœur. Voici ce que ça donne. Alors, je pense que le petit cœur avec les paillettes, vous ne le voyez pas. Puisque, en règle générale, ça apparaît plus fort lorsque il est sec. Donc, cette petite carte est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Si vous avez des questions, n'hésitez pas aussi en commentaire. Moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!